nous revendiquons l'héritage du Conseil national de la Résistance dans le modèle de société qui est le modèle de société français. Nous avons la charge de recréer la confiance entre les citoyens et leurs élus par une action déterminée, immédiate, inévitable, que personne ne pourra éluder, de moralisation de la vie publique dans notre pays en réglant les questions qui, depuis des années, sont au-dessus de nous comme autant d'ombres de la démocratie française. Il y a une semaine, François Hollande avait dit que l'idée d'un référendum, après tout, c'était une très bonne idée pour moraliser la vie publique. Hier, il a fait une déclaration pour dire que, non, finalement, tout bien réfléchi, c'était aux parlementaires qu'il fallait laisser la charge de régler, de trouver des règles différentes pour l'avenir de l'organisation de la vie publique chez nous. Eh bien, moi, je vous dis, si comme depuis des années et des décennies, on recule devant cette obligation et on explique que ce sont les parlementaires eux-mêmes qui vont changer les règles d'organisation du Parlement, on peut attendre longtemps.